Voilà. Ça en fait un de moins. Alors, nous avons Calico. Alors, Calico, je ne sais même pas s'il sera en français ou pas. J'espère. Français. Tu joues à Calico avec un clavier ou une souris, mais tu as une meilleure expérience, donc te conseiller d'utiliser la manette. Voilà. N'arrive pas à croire, demain ma nouvelle vie commence. Je dois choisir une tenue. Honnêtement, j'aime beaucoup. Et ça sera pareil. Si c'est un jeu que je garde, je le ferai le soir. Il fera partie des jeux du soir. Oh, sale perlipopette! Ah, salut! Bienvenue au village Amour. Je m'appelle Kiva. Je suis la mère de ce petit hameau. On est tellement ravis de ta présence ici. On était tous tristes du départ à la retraite de ta tante et de la fermeture du café. Honnêtement, le village n'est plus le même sans elle. Enfin, j'ai reçu une carte postale de sa part la semaine dernière. Et on dirait qu'elle prend son pied à voyager apparemment. Il y a des chats sur les autres îles. Étonnant, n'est-ce pas? Ah, que je suis bête! Tu sais déjà tout ça puisque tu viens toi-même d'une autre île. Bref, tu es ici à présent, c'est ce qui compte. Tout d'abord, pourquoi tu ne vas pas visiter ton nouveau café? Certes, il est un peu vide et tristounet pour l'instant, mais c'est à toi de le décorer. Pourquoi ne vas-tu pas jeter un œil à l'intérieur? Reviens me parler quand tu auras fini. Oh, attends, au fait, d'abord, je dois te donner ton cadeau de bienvenue. Tiens, voilà ce qui devrait t'aider à t'installer.
Je me promène avec mon chat sur la tête. Honnêtement, c'est très bizarre. Salut, alors tu as visité. J'adore comment il est aménagé et cette fenêtre en forme d'étoile est si jolie. Néanmoins, il y a beaucoup à faire. Il est complètement vide et manque cruellement de gens, d'animaux et de nourriture. J'ai même rapporté quelques meubles pour t'aider, mais c'est un peu gênant. Je ne savais pas quel style tu préférais, alors j'ai apporté plusieurs sortes, à ton avis. Préfère quel style? Oh, parfait! J'ai des objets de ce type. Tu auras le temps de les placer dans le café. Ça, c'est la carte. Ok. Ah si, rotation droite. Attends, hop, j'ai trouvé. Attends, j'ai deux tables, je crois. Ah oui, c'est ça, j'ai deux tables, donc attends. On va mettre deux chaises et deux chaises. Bien, bien. Ensuite, les animaux, ta tante avait toujours un groupe de petits compagnons à poil dans le café. Et honnêtement, c'est ce qui fait tout son charme. Pourquoi tu ne chercherais pas un animal à adopter pour le café? D'habitude, vaut mieux éviter les animaux sauvages, mais la magie de l'île les a rendus très dociles et câlins. Tu peux prendre un animal dans tes bras et utiliser le contrôle de l'animal pour lui demander de te suivre ou d'aller au café. Ta tante a laissé quelques recettes, mais pas beaucoup. Je suis sûre qu'en discutant avec les autres villageois, ils seront ravis de partager avec toi des recettes de famille, en échange de ton aide, bien sûr.
Coucou mon Aka! Comment tu vas, Aka? Il y a encore une dernière chose, mais je n'arrive plus à me souvenir. Ah, bien sûr, la nourriture. Bien, il va falloir aussi que tu apprennes à cuisiner pour le café. Tu ne peux pas avoir de café sans servir, ni à manger, ni à boire. Ta tante a laissé quelques recettes, mais pas beaucoup. Je suis sûre qu'en discutant avec les autres villageois, ils seront ravis de partager avec toi des recettes de famille, d'échanger, en échange de ton aide, bien sûr. Pour le moment, pourquoi ne vas-tu pas essayer les recettes que ta tante a laissées dans la cuisine? Oh, il est important de noter cette île a fondé grâce à une magie ancienne. Du coup, la vie est peut-être un peu différente ici. Je crois que tu adoreras cuisiner. C'est rigolo de lancer les œufs qui fait la même taille que toi. Hein? Comment ça? Va essayer, tu verras. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais honnêtement, j'adore ce jeu. Cuisiner. Cupcake. Mettez les ingrédients dans le soleil. Ah mais tout est plus grand que moi! Je veux bien mettre les ingrédients dans le saladier, mais tout est plus grand que moi! Alors, prendre de la farine. C'est comment? De balancer la farine. Ah, viens ici, farine! J'ai besoin de toi! Ça point de sucre! Rentre dedans! Et pas rentrer! Reviens ici, le sucre! Rentre dedans! Mais pas dans le saladier, sapristi de sucre! Allez! Un sucre! Deux beurre! Le beurre, ça glisse, hein, ça va peut-être être pas cool de le lancer. Il s'est viré! Non, le beurre! Reviens! Reste là! Viens ici, le beurre! Viens ici! Tu fais, oui! Saleté de beurre désobéissant! Rentre dans le plat! Merci! Et un œuf! J'ai eu de la chance qu'il n'explose pas le œuf. Remarque, ça aurait été comique. Par contre, il court vite le œuf! Reviens ici, petit œuf! Enfin, petit œuf. C'est plutôt type bonne femme qui court après un œuf. Ouais! J'ai fait un cupcake! Ouais, je suis contente, j'ai fait un cupcake! Mettez-le sur le plateau. Voilà. Eh, vous savez quoi? Je garde ce jeu. Je garde ce jeu. J'adore, je kiffe. Pour le soir, c'est très bien. Pour le soir, celui-là, honnêtement, c'est génial. Je vais m'éclater. Donc c'était Calico. Alors Calico, on va t'attraper. On va t'attraper, puis on va te mettre dans les jeux du soir. Alors Calico. Je sais pas pourquoi je le chante, mais voilà. Calico pour les jeux du soir. Attendez, ça répond pas. C'est bon, ça répond. Calico, hoppé. Stratégie de gestion. Merci. Hop, c'est jeu du soir, stratégie de gestion. Hop, après. Nous avons quoi d'autre à tester? Donc, Astrogaster, on a dit qu'il était parti faire des courses. À Super U.
très très loin. Escape from Monkey Island. Attendez, 2 secondes, je reviens et après on se fait celui-là. Qui sera viré? Parce que toutes ces phrases se sont fait virer, donc je pense que celui-là aussi.